Bonjour à tous et à toutes, ici Négor, sauf une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons jouer du coup à la campagne de Call of Duty Modern Warfare. Je suis en stream, vous voyez pas ma caméra, puisque du coup, je me suis dit que je vais filmer avec Shadowplay, histoire que vous ayez une qualité exemplaire. Donc, logiquement, j'enregistre en 4K, 60 images par seconde. Le jeu est en full ultra avec le ray tracing activé, enfin full ultra, presque full ultra. Hein, quelques trucs, c'est un peu plus bas. En tout cas, c'est optimisé avec GeForce Experience, voilà. Donc, je vous montre juste les paramètres vite fait. Tac, tac, tac. En fait, si je suis en full ultra, en fait. Donc, j'ai juste enlevé le flou des armes, par contre, flou d'armes aussi. Le grain de l'image, je vais le mettre un petit peu pour que du coup, ça fasse un petit peu plus cinématographique. Appliqué. Et ben voilà, bon, en fait, si on est en full ultra, le shader du son à 100%. On est en full ultra, voilà. 165 FPS, vous avez les informations en haut à gauche de l'écran. C'est parti, on lance la campagne. Je comprends. C'est parti. Donc tant que logiquement je ne crie pas, logiquement vous n'avez pas de saturation dans le micro avec Shadowplay. Réalisme. Vétéran. Ah oui, non c'est réalisme, bien sûr. On joue en réalisme. Ah oui, pardon, le titre du live j'ai mis difficile. Ça a lagué à la fin. Echo 3-1, à Charlie de Leader. Ici Leader. La zone est en vue. Je crois que nos gars sont pile à l'heure, colonel. Compris, 3-1. Équipe Hitman en place et prête pour l'assaut. Vous avez le feu vert. Colonel, on a un problème. Trop tard, Laswell. On y va. Ça, c'est ma décision. Watcher à 3-1, vous me recevez? Chef de station Laswell, on vous écoute. Le général Barkov a expédié une cargaison de gaz vers son dépôt. Mais ses hommes s'apprêtent à transporter les armes chimiques vers l'Urzikstan ce soir. Vous avez l'autorisation d'attaquer, mais n'ouvrez le feu sur des soldats russes en aucune circonstance. On ne veut pas d'incident international. Réassurez que l'armée russe restera impassible, Kate. C'est compris, Alex. Commencez par trouver le gaz, détournez les camions et quittez la zone avant que les Russes s'en rendent. Monsieur Watcher, on s'en occupe. Charlie de Leader, Hammer 2-1, équipe Hitman déployée, retour à la base. En route. Ok. Hitman, avancez. Compris. Nous revoilà du coup dans cette campagne. Ça commence avec une bonne immersion. Aïe. Tu crois qu'on peut tomber sur le général Barkov? Un général russe oserait jamais traîner par ici. Bon, du coup, là, c'est vrai que dans le mode campagne, effectivement, l'anti-aliasing en full ultra, ça me dérange pas du tout. 65 FPS, effectivement. Hein. Ça... Attention. Je n'entends deux. Ça nous cherche. Deux mercenaires, pas d'uniforme. Hey, кто здесь? Выйди, покажись! Ok, abattez-les. On est tranquille, compris. Installez-vous sur la crête. Ah. On va analyser tout. Ah oui, d'accord, ah oui, aïe, je me suis coincé le petit doigt dans ma chaise, ah. Et ensuite, ah d'accord, ah oui, ça a fait pas. Ah, attendez, je vais juste, hop, excusez-moi, hein, je vous embête. Est-ce que c'est où que je vois ça? Non, c'est dans là-dedans, je crois. Sous-titre, voilà, activé. Echo 3-1 à Blue Viking 5. Demande de frappe. Attendez la confirmation de la cible. Compris, 3-1. Viking se tient prêt. On commence la reconnaissance.
Faut être sûr que les Russes sont pas dans le coin. Véhicule en approche à la porte principale. Un gars dans la tour, côté gauche en hauteur. C'est pas un militaire. Compris. Point de contrôle, voilà l'entrée. Cible vérifiée. Le véhicule se déplace. Véhicule de patrouille, des contractuels. La sécurité, une bonne cible. Aucune présence militaire russe. Confirme la frappe, 3-1. Blue Viking 5, ici Echo 3-1. Troupe à découvert, porte sud, vous pouvez y aller. Putain. Compris, 3-1. Cible verrouillée. Feu à volonté dans 5 secondes. 5 secondes. Non mais du coup, c'est pas volonté. Echo 3-1, cible touchée. Viking rentre à la base. Bonne chasse. Merci beaucoup, Viking. On va prendre la relève. Ça a l'air trop bien, putain. Dommage, je bug quand je mets en même temps, je regarde ton stream. Ah ouais, putain, non, dommage, sérieux. Mais non, mais au pire, tu mets en 120p, Kasia. Enfin, en 360, si tu veux juste le son, au pire. Attention. Plusieurs ennemis à pied. Attendez. Parce que du coup, j'ai des petits lags de temps en temps. C'est très chiant. Ah, je suis en 50 vertical pourtant. Ah, du coup, je vais limiter à quoi, 90 FPS. Comme ça, du coup, si ça monte trop, ça limite. 90 ici aussi. Voilà, je vais appliquer, voilà. Comme ça, du coup, j'ai une marge de manœuvre. Évidemment, ça freeze à cause du chargement. Chargement dissimulé. Laisse-les approcher. Сосредоточиться, если что, увидите, стреляйте! C'est bon, on avance. Pardon, excusez-moi, mais c'est marqué nulle part, fallait que je tire. Ça leur apprendra à voler des armes chimiques. Excusez-moi, mais personne m'a dit qu'il fallait tirer. J'ai une lampe. Je peux changer mon mode de tir. Logiquement, j'ai les JVN. Ok, non, j'ai juste une lampe à la place. Ok, donc je suis. Ok, donc je suis au milieu de troupes. Ok. Wouah. Oh, les effets de lumière sont incroyables. Faut abréger leur souffrance. Bon bah lui il est mort, je sais pas quoi j'ai souffrance lui. Faut les activer. Comptez sur la surprise, les gars. Restez sur vos gardes. Soyez prudents, on ne sait pas ce qui nous attend. Contact! On a un mine mitrailleuse au premier! Il est retranché! Faites un tir de suppression et grimpez! Pas de suppression! Avancez. Fais le tour! Et avale-le! En avant! On doit sécuriser le gaz avant qu'il l'emporte! Je vois un groupe d'ennemis en mouvement. Ok. Dans le mille. Rachu, j'ai un visuel. On est trop en bouche. On doit neutraliser la mitraille. Bien. Avance quand sa lumière est braquée ailleurs. Ils sont entre les bâtiments. J'ai un visuel. Poussez-vous. Oh, attendez, il y a lumière sur moi là. Oh, c'est immersif de ouf! J'ai un visuel! Des ennemis au sud-ouest d'ici! Je
je suis pile. Aïe, 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 aïe. Je l'ai pas entendu. Ce n'est pas l'attaque terroriste même, mais plutôt la raison de cette attaque. Oh. Putain. Ah, je suis AFK. Je remettais mon casque. Ah, d'accord, elle va contre pouvoir accrocher vraiment à la gare. Mais tu vas trop vite leur truc là. Ok, c'est bon, je suis caché. Mais non, mais il était mort, non? Ah. Ils sont au sud. Oh, attendez. Je vais me remettre à droite là où j'étais, voilà. Tout à l'heure j'étais là. Tac. À mort. Occupe-toi de cette mitrailleuse! Avance quand il n'y a plus de lumière! Oh non, elle m'a mis une balle instant. Oh. Ah non. Bien joué, Côte 1. Hey, merde. On regarde où on tire. Bravo. Sortez de votre poste. Dans le mille. Ok. Je peux recharger tranquillement. En fait, mon pistolet il est en 1. C'est quoi ce délire? Pourquoi mon pistolet il est en 1? Mon pistolet il est en 1. Arme suivante. Arme 1, 2, 3. Ah bah ouais. Bah mon arme principale apparemment c'est mon pistolet hein les gars. Apparemment. C'est plutôt cool. C'est bon. Gaz doit être là-dedans. Sauf si c'est trop tard. On aurait la carte qu'on joue sur le jeu, je te jure. Mais c'est pas on dirait, c'est elle en fait. C'est bon. C'est juste qu'elle a été modifiée. Il y a peut-être des armes chimiques, mettez vos masques. C'est parti. C'est quoi ça? Ils ont coupé le jus. Allumez vos torches. Avec moi. On voit rien du tout là-dedans. Vous avez entendu? Je sais pas qui a coupé le courant, mais il est encore là. Contact! Il est mort! Oh, mon pote, tu es réactif. Robert Fitzgerald Kennedy. J'aime trop les citations qu'ils mettent à chaque fois quand tu meurs. Je sais pas qui a coupé le courant, mais il est encore là. C'était peut-être la frappe à terre. Contact! Il est mort! Il était là, lui. Ça bouge sur la passerelle. Je vois un truc. On l'a perdu, il a bougé. Sur la passerelle, ouais. Lui, c'est atomisé, lui. C'est bon! C'est nettoyé! Plus qu'à remettre le courant, allumer la lumière et trouver le gaz. Compris, 3-1. Je cherche. Ok, je cherche.
Non, la porte est pas alimentée. Trouvez les fusibles, trouvez le gaz, et on se tire d'ici. Attention les yeux. On a le courant. Hey, on a un problème. Les dégâts de l'armée russe. Des Spetsnaz. 3-1, Watcher. Les mercenaires de Barkov sont des Spetsnaz. On a tué des militaires russes. Il faut qu'on foute le camp. Négatif. La mission est prioritaire. Vous n'avez pas le choix. Comme d'habitude. 3-1, terminé. Vérifie que c'est bien ce qu'on cherche, et on préparera les camions pour les vacances. Jackpot. Confirmé, c'est bien le gaz. Bien reçu, 3-1. Chargez tout ça et rentrez à la base. Compris, on y va. Comment ils ont fait? Il a juste passé un truc dessus, quoi. Il a juste passé un truc dessus et ça a réagi avec le gaz, quoi. Mais lol. Avec moi, 3-1, quand t'es passager. À toutes les unités, on est en route vers le rendez-vous. Par contre, la voiture, les gars, elle est mal faite, hein. Bon travail, Alex. Je suis désolé, mais... Je suis désolé, mais tout est bien fait dans le jeu, sauf l'intérieur de la voiture. Wouah. Hitman a rencontré une forte résistance. Wouah. Watcher à 3-1, vous recevez. Alex, vous recevez. Terminé. Je suis là. Mais c'est qui ça? Sidi, avance là. Bello russi. Marines. Amitar. Nasi mitarak. Farad. Farako. Yalla. Yalla, yalla. Wow. What the fuck? Echo 3-1, Watcher. Alex, qu'est-ce qui s'est passé? Attaque terroriste. Plusieurs marines tués. Gaz volé. Évacuation immédiate. Reçu. On signale d'importantes troupes russes en approche. Tenez bon. On est en route pour vous exfiltrer. Watcher, terminé. Cette opération va être compartimentée. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que vous n'êtes plus habilité, colonel. Ces hommes sont mes marines. Il faut envoyer une équipe maintenant. Ça va pas être possible. C'est moche, ça, là. C'est pas de votre sort. Colonel, Laswell. Général, mes hommes Norris, sont... Norris, donnez-nous une minute. À vos ordres. Là, c'est moche, par contre. Hein. Là, bon, c'est dégueulasse, hein, comparé à tout à l'heure. Nous avons un problème. Le Kremlin a suspendu tous les canaux de communication. La 6e flotte investit la mer Noire. Et maintenant, on a des armes chimiques dans la nature. Cette opération porte votre signature, Laswell. Réglez-moi ça. Général, les renseignements sont notre meilleure arme. On a déjà essayé cette arme. Il va falloir trouver bien mieux. John. Laswell. Vous êtes où? Occupé. J'ai un problème. Les Russes? Les nouvelles vont vite. Des terroristes ont mis la main sur des armes chimiques. On ne sait pas où ils sont. Paris, New York. Londres. Je vous brise quand? C'est déjà fait. Mais non, mais ça lag, quand mon chargement il charge. Sergent Garrick, répondez. Et c'est Garrick. Si votre menace devient critique, sans doute plusieurs assaillants. Un kamikaze peut-être pire. On a des snipers en position? Négatif, sergent. Il faut éviter la panique à tout prix. Les terroristes sont au courant, chef. Garrick, pas de zone de guerre en plein Londres, compris? Ouais, bien compris. Ok. Je crois qu'on est tout seul. Ça va le faire. Qu'on en finisse, d'accord? Ok. Sergent. Regardez. C'est bien la description. Oui, c'est eux. Sabre Raven, véhicule suspect vers le nord. On bouge. Reçu. Vous ne devez engager qu'en cas d'attaque imminente. Camionnette blanche, à gauche. Foncez, go! Ils sont là, mes frères! Ils sont là. Par là! On y va! Bouge pas!
police, plus un geste. Les mains en l'air, maintenant. À plat ventre, tout de suite. Vous faites... N'oblige pas à le répéter. Sabre 2, qu'est-ce qui se passe, bordel? Il y a eu une détonation à Piccadilly Circus. Des coups de feu, plusieurs agents touchés. Envoyez-nous les ambulances, vite. Waouh. C'est pas terminé. En avant. Ils ont des fusils d'assaut. Ouais, et nous, on est sûr. Je mets une tête là. J'ai pas balle lui. C'est trop la merde. Ok. Gauche. La balle passe pas à travers la vitre. Ouais, je me sens usé moi. Voilà mon pote. Là on va s'éclater là. Là on va s'éclater là. Il faut qu'on sécurise. Ici Sabre 2, librairie sécurisée. À toutes les unités, dispositif d'écran de vue près de la poubelle. Faut qu'on les protège. On a 4 civils pris au piège près du métro. Je suis pas armé. J'ai deux. Aïe. Kai, descendez tout de suite. Pourquoi descendre? Je prends ça, j'ai one shot avec ça, non? Oh le bâtard. Ah oui, donne-moi ça. Donne-moi ça, voilà. Ok. Aïe. Je recharge, oh non. L'armée est pétée. Vous allez devoir contenir la menace jusqu'à son arrivée. Ils sont retranchés dans l'immeuble du Tanto. J'ai un viseur. Yes. Au nord vers l'immeuble du Tanto. Deux hommes blancs, vêtements noirs avec des fusils automatiques. On dirait des AK. L'un des deux porte une cagoule. Trojan arrive bientôt. Alpha Whiskey, 2304, à vous. Oh mais waouh! Et l'urgence, tout feu tiré! Plusieurs victimes! Au moins 4 suspects! Tous blancs! Ils sont toujours dans le coin! Bien sûr! Wouah! À l'extérieur du chevrolet! Peste explosive! Putain de merde! Il y a des débris partout! Raven, Sabre 2! Agent à terre devant l'immeuble du Tanto! Agent à terre! Nom de Dieu! S.O.15. Je vous couvre. Vous êtes armé? Oui, chef. Capitaine Price. Regardez. Suivez-moi. C'est putain de stylé. C'est trop bien. Sécurisez les angles. Waouh, l'éclairage et tous les angles. Ah, le ray tracing, mon pote. Oh! Aide!
ça, pitié, enlevez-moi ça! J'ai besoin de vous, sergent. Aidez-moi! Je suis pas avec eux! À toutes les stations, on a un homme avec une bombe, gardez vos distances. Ici, sergent, vite! Mais je suis là? Ah! Je veux pas mourir. Pitié, je veux pas mourir. Je veux rentrer chez moi. Ça se voit pas. Vous pouvez l'aider? J'essaie. Laissez-moi voir mes filles! C'est trop tard. J'y arrive pas. Plus de temps! Aidez-moi! Qu'est-ce que vous faites? À toutes les stations, c'est réglé. Préparez-vous, on va sortir. Que tout le monde reste calme. On va vous sortir d'ici. Rien de cassé? Ça va. Allez. Wow. What the fuck? Non, c'était plus du terrorisme, là, il était 45 sur la piste aussi, genre, ça va les gars. Ah, mais vous c'est grave, cette idée. Pas assez. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça, chef. On nous a envoyés au casse-pipe. Pour que tout le monde puisse prétendre qu'on n'est pas en guerre. Ouais, mais personne n'est dupe, ça c'est sûr. Alors pourquoi on a les mains liées? Il suffirait qu'ils nous laissent les combattre. Chef. J'écoute. On n'a pas la moindre chance avec ces règles d'engagement, capitaine. Dites-nous où, dites-nous quand, mais pas comment. On a traqué cette cellule pendant des semaines. Vous aviez des renseignements exploitables? Oui, mon capitaine. Ok, Garrick. Suivez-moi. L'ordre est venu du loup en Urzikstan. Alex est déjà sur place, il cherche les armes volées. Il aura besoin du soutien du Front de Libération, alors dites-lui de contacter leur commandant. Vous connaissez Karim? On s'est croisés. Donnez mon nom, ou ils le tueront. Quel est le message du capitaine Price? Commandant Karim, appelez-moi Alex. Je vous écoute, Alex. C'est confidentiel. Laissez-nous, cousin, et préparez-vous. Il y a 48 heures, des terroristes ont volé du gaz aux Russes. Il n'y a que Al-Qatala pour faire ça. Les Russes ne font pas de distinction entre Al-Qatala et votre peuple. Et moi, je ne fais aucune distinction entre Al-Qatala et l'armée russe. Les deux sont des terroristes. On n'utiliserait jamais de poison. Aidez-nous alors, avant qu'ils... Avant qu'ils quoi? Qu'ils attaquent l'Europe? Ou l'Amérique? Leurs attaques sont notre quotidien. Commandant, il faut y aller. C'est qui, lui? Alex, je te présente mon frère et lieutenant, Adir. CIA? Il est avec le capitaine Price. Tu tues les Russes, alors? J'ai des amis qui peuvent aider. Mais la décision revient à votre sœur. Bien sûr. C'est ma sœur qui commande. Ta gueule. Et l'armée russe est toujours là. Il faut que cette occupation cesse. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus, Alex? Les hommes de Barkov contrôlent la ville. Nous avons un plan pour les contrer. On n'a pas de missiles, mais on se débrouille. Si tu restes, nous t'aiderons. Mais si tu restes, tu te bats. C'est d'accord. Bienvenue en Urzikstan, Alex. Suis-moi. Bienvenue en Urzikstan, Alex. Oh ouais, salut Alex, ça va Alex? Ces tunnels vont nous sauver. On nous signale que des commandants russes arrivent en ville. On leur tend une embuscade. Attendez. En vrai, j'ai envie de virer les sous-titres, mais je sais que comment des fois, en fait, des explosifs. On n'entend pas trop les... Ça devrait les surprendre. Et aussi éloigner la sécurité de la base russe, ce qui nous permettra d'attaquer. Voilà. Il faut qu'on soit prêt à tout. Si on va trop loin, on n'en reviendra pas. Oh, attendez. Pardon, Ça fait combien de temps? Dernière sauvegarde, 23h54. Ouais, mais depuis quand je joue? C'est combien de temps? Mission infiltration. Vous savez quoi, YouTube? On va s'arrêter là. Ça doit faire peut-être 30 minutes qu'on joue, à peu près.
Ah, mais celui d'épisode 3 minutes, ça va durer trop longtemps. En fait, épisode d'une heure. J'ai juste changé le nom du live. Attendez, je vais mettre réalisme. Parce que je croyais que c'était difficile la difficulté, mais non, c'est réalisme. Tac, comme ça, je mets à jour. Tac. Hop. Et je mets juste. Hop. Tac. J'ai juste immersion, histoire que du coup on soit content. Hop. Immersion. No cam. Voilà. Histoire que les gens qui arrivent sur le live, ils savent, pas ils savent pourquoi il n'y a pas de cam aujourd'hui. Et pourquoi il y en avait les autres jours, tout simplement. Bon, sinon, la campagne, elle est juste insane pour le moment. La campagne est vraiment juste incroyable, quoi. Je suis... Waouh. Je suis tellement à fond dedans, en fait. Et du coup, en coupant la cam, je vais pouvoir aussi couper la lumière et mettre vraiment totalement dedans. Et donc, c'est parti. Hop là. Bienvenue dans Call of Duty. Tiens-toi prêt pour l'attaque. Sois prudente. Allez, Alex, prends ses charges. C4 et détonateur à distance. Merci. Veille sur ma sœur. Bonne chance. Je m'en souviens de ça, je crois. Toi aussi. Je crois que je m'en souviens de ça. Bonjour. Allez, viens. Vite. Américain ? Tu peux te fier à lui. Par contre, l'accent... L'accent pas ouf. De quoi j'ai l'air ? Ça ira. Tariq, comment ça se passe ? Les Russes sont juste dehors. S'ils aperçoivent vos armes, ils tireront. Et notre plan tombera à l'eau avant même d'avoir commencé. Alex, nos armes nous trahissent. Ne laisse pas les Russes voir la tienne. Suis-moi. Les hommes de Barkov occupent toute la ville. Ils seront encore plus stricts. Barkov sera là aussi ? Peu de chance. Il se cache pendant que les autres font le sale boulot. Quel genre de sale boulot ? Des sanctions. Pour avoir osé résister. Les hommes au travail, les femmes dans les véhicules ! C'est ici qu'on se sépare. Tu vas devoir te fondre dans la masse. Pas de chance ! Pas de boulot ! Ne recommence pas ! Malgré ma générosité et ma bienveillance, certains, en murmurant, refusent de comprendre que nous sommes ici pour les protéger et leur apporter. Attends, ça a bugué. La paix et la prospérité. Mais ça a bugué. Merci. Ouais, je marche plus vite par rapport aux... que les autres, c'est chiant. Je suis passé. Prends la ruelle, à gauche. Tu vois ce soldat ? On nous stoit ! Tue-le. Zandone ! Zandone ! Karim ? Fais attention à toi, ma sœur. T'es plein de ressources ? Bien. Allons-y. Mes contacts sont postés un peu plus loin. Ils ont des explosifs pour nous. On attirera davantage de soldats russes avec une grosse explosion. Merde. Les soldats de Barkov ont trouvé mes contacts. Ils sont peut-être déjà morts. Attention au bruit. Il faut un silencieux. Trouve un filtre à huile. Tu pourras t'en servir de silencieux. Regarde dans les voitures des civils. Je surveille les gardes. Ces terroristes venus de l'intérieur sont le un filtre à huile. Ça peut servir comme silencieux. Ça fera l'affaire. Bien. On tourne par la droite. Mais lol. À quel moment ça se visse ? Mais à quel moment ça marche, ça ? Contourne le véhicule, par la droite. C'est ce que je fais, calme-toi.
Ça tire déjà, putain. Ok, 3. Est-ce qu'elle le dit quand? Wow. Wow. Elle a un copain, elle, ou pas? Entre. Attends. T'approches pas de la porte. Осторожно. Могут быть растяжки. Tu les as en jour? Ouais. Prends-en deux. Je m'occupe de l'autre. La voie est libre. Par ici. C'est dur de viser. Désolé pour tes contacts. On a les explosifs. Leur sacrifice ne sera pas vain. Oh yes, couteau de lancer. Planque ton arme. On ressort. Suis-moi, je passe devant. Quand on défie le général Bartov, on en paie le prix. Passe. Pitié, elle est terrifiée. C'est laissez tout. Vos armes. Je sais ce qu'elle est. Tu comprends pourquoi on doit en arriver là. Ils sont pendus parce qu'ils ont désobéi. Regarde-les bien. Allons-y. Vous voyez, quand on coopère, on peut c'est tout un putain de crime de guerre. Ils les punissent pour ces le vol. Ces terroristes sont à l'origine de tous nos problèmes. En faire un exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire? Unissons nos causes. Accomplir notre mission. Et mettre un terme à la cruauté de Barkov pour de bon. Par contre, j'avance trop vite par rapport à elle, c'est trop chiant ça. Dans trop de jeux, il y a ça, c'est horrible. T'es obligé de t'appuyer une fois toutes les deux secondes là. C'est chiant. Ça nique l'immersion. Par ici, monte à l'échelle. Barkov déploie des hélicoptères. Si on les abat, la base devra envoyer des renforts. Et on en profitera pour attaquer. Je te couvre. Si tu tombes sur des gardes en chemin, abat-les. Discrètement. Après, viens me retrouver ici. Il ne pourra y avoir ni ordre ni paix tant que ceux qui soutiennent ces sauvages n'auront pas été éradiqués. Je suis un homme juste et pris de justice. De juge ou de jury ici pour reconnaître un crime et son châtiment. Oh, il me regarde, putain. Sous mon commandement, nous éliminerons un par un tous ces agitateurs et nous ferons de ces rues un lieu de travail. Okay, ils sont partis. Ça est sécurisé. Ils sont partis, go. Cette révolte impose la guerre aux citoyens de l'Urzikstan épris de paix. Des gardes à l'entrée. Tu les attaques, te fais pas remarquer. Menace la sûreté et la sécurité de ceux qui suivent les règles. Aujourd'hui, ils doivent être tués. Ceux qui osent croire que mes hommes céderont devant ces actes terroristes et ces projets secrets. Ces tentatives de sabotage se trompent lentement. Mais à quel moment ça marche le filtre? Je me laisserai jamais expulser de ces terres par une armée de voleurs et de terroristes. Attention. Salut mon copain. Ces interventionnistes. Dehors moi. Et garderont ce territoire pour toujours. Il n'y aura pas de victoire pour nos ennemis. Ah, c'est des munitions. Ah yes. Cache l'arme. Je suis à côté de la cible. Près d'hélico. Tu sais quoi? J'ai pas encore trouvé comment monter. Et votre indépendance. Mes réserves de main-d'œuvre sont inépuisables. Charge en place. Ça va faire une sacrée diversion. C'est l'idée. Je ne céderai jamais. Maintenant, face passe à l'autre hélicoptère. On va aller doucement, hein, parce que, waouh. Ok. Tout, ces
Oh, bah la loot comme ça. Y'a pas un parpaing récupéré là ? Les ennemis sont vos amis. Ah mais y'a le chien frère là. Stop. Il y a un garde en haut des escaliers, à gauche. Surveillez bien la foule. Autorisation d'ouvrir le feu en cas de menace. Maintenant, avance. Te prego, c'est au roi. Maintenant, avance, tu les as alertés, bah faut savoir. Faut savoir, sœur aussi. Stop. Il y a un garde en haut des escaliers. Mais viens, je le tue. Surveillez bien la foule. Autorisation d'ouvrir le feu en cas de menace. Maintenant, avance. Je te couvre. T'as vraiment des réflexes de chat. Personnellement, je préfère les chiens. C'est conspirateur. Je préfère les chiens. Charge en place. Et tais-toi. On se regroupe sur ma position. Venez, je cours. Tais-toi, le chien. Ok. Sera condamné à mort. Maintenant, rejoins-moi, Alex. Aujourd'hui, ils sont partis. C'est le moment. Je suis là. Laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps, sœur. Fais-le exploser. Attention. Bien joué, Alex. C'était beau. Par ici, maintenant. Attends. Prends à gauche. Ne tire pas. C'est quoi, ça? Derrière l'ambulance. Ils ont laissé leur véhicule sans surveillance. On va les faire sauter. Vite, sous le pick-up. En voilà d'autres. Suis-moi de près. Mais elle aussi, Lana ? Qu'il les attendra à leur retour. Par contre, fallait mettre au milieu, par contre. Hein. J'aurais bien aimé assister au spectacle, mais on doit lancer l'attaque avant qu'il soit trop tard. Mais t'es conne, ou mettre à l'avant, pas à l'arrière. Elle est trop conne, à l'avant il y a le moteur, la ça va péter. Nous mènera au tunnel qui passe sous la maison de Tariq. Il faut aller mettre au niveau du réservoir d'essence. Merci, t'as capable, je te suis. Hein. Mais escalade. Farah, c'est quoi ce merdier? À terre. Ne bouge pas. Reste immobile. Mais elle est trop violente. Et calme-toi, meuf. Elle est trop violente. Au tunnel, vite. Il risque d'en arriver d'autres. Regarde. Des renforts de la base aérienne. Wouah. Stop. Merde. La porte de Tariq est ouverte. Où est Tariq? Il est mort. Il aurait jamais abandonné son poste. Allons-y. Ah, Tariq, c'est son oncle, là?
On est passé ici tout à l'heure, non? Ah non, je croyais. La voie est libre. On descend. Il faut qu'on rejoigne Edir. T'as perdu des gens bien aujourd'hui. C'est le coup de la guerre. On va prendre la base de Barkov pour qu'il ne soit pas mort en vain. Ça promet d'être intense. J'y compte bien. Adir a un plan. Voilà, il va y avoir un truc là dans le tunnel, c'est sûr. Va y avoir un truc, c'est sûr. Bienvenue chez moi, Alex. Je me suis installé près de la base de Barkov, histoire de bien le garder à l'œil. Prudence. Mère de sûreté. On fait les choses à notre manière. Pas de grenades, donc on improvise. C'est pas mal. Tu crois qu'on se bat avec des cailloux et des bâtons? Bah. Je vais emmener ça au Elkanon, lieutenant. Comme le teuf. Allez, fais vite, cousin. Oui, lieutenant. Wow. Les Russes ne comprennent que la violence. Alors moi, je leur en donne. Fais vite, Barkov, cousin. Barkov a une armée de l'air. Nous aussi, on a la nôtre. Prenons un petit sniper. Les drones, ils sont chargés de C4. Est-ce qu'on est prêt? Oui, commandant, on est prêt. Des drones chargés de C4. Alex, percute un hélico pour l'abattre. Ce que je veux? Prends les commandes, Alex. Ah non. Oh, c'est le bruit. Bon. Vol bas, la base est droit devant. Tarmac, droit devant. Fonce sur les ennemis. Bravo mes frères. Allez, mais on y va. Bravo mes frères. Non mais ça va là. Périmètre de la base aérienne droit devant. Putain, les stéréotypes. La deuxième quoi. Équipe nous couvrira au canon. Écho 3, Watcher. Les troupes locales attaquent la base aérienne de Barkov. Demandons soutien aérien. Bien reçu, 3-1. J'envoie un hélicoptère non marqué sur votre position. Patientez, ça va prendre un moment. Attends, mais. Et ça vous s'attire là? Mais si ça vous s'attire, y a pas de visée? Y'a pas de viseur? Tenez-vous prêt. On va attaquer leurs arsenaux, récupérer leurs armes et. Il est chargé là, faut tirer là. Cousin, nous nous battons pour libérer l'Urzikstan. C'est tous et des cousins. Notre pays. Pour l'Urzikstan. Pour l'Urzikstan. Tirez au canon. Pardon? Ils ont tous tiré en l'air avant de partir, ils savaient où on arrivait. C'est débile. Wow. Alors, on va faire ça bien nous. Hop. Hop. Ensuite. Tiens, meurs. Ils sont près de ce bâtiment. Elle a même pas passé la balle. Hélicoptère ennemi. Drones dans les airs, trop près. Alex, les drones sont prêts. Abat les hélicoptères. Ok. Aïe, aïe, aïe. Alex, les drones sont prêts. Merde, je recharge. Attendez, j'ai un drone qui est prêt. Ok, nice. Il est où? Putain, il est loin lui. Tiens mon pote. Mais tais-toi. Scabliat. Y'en a quand même dedans?
Oui. Les drones sont là, Alex. Attendez, je prends un drone parce qu'il y en a un à ma gauche, je sais pas où il est là. C'est nous ou eux ça? C'est nous ou eux? C'est eux ça? Je crois que c'était eux. J'étais pas sûr. Je pense que c'était eux, ils avaient l'air des Russes. Alex, on peut lancer des drones. Encore? Mais... Je joue qu'à ça en finale en fait. Mais toi là-bas, la meurt. Allez hop. Ça c'est fait. Waouh. Mais il est où? Mais il est où? Mais... yo Yves, excuse-moi, ça va? Ça va Yves? J'ai excuse-moi en fait contre, mais non, je t'ai lu à la bonne heure en fait. Aïe, aïe, aïe. Non mais... Aïe aïe aïe. Le changement d'arme qui est beaucoup trop long. Excusez-moi. Moi je pense pas qu'on allait, respawn ici, moi. Tiens, mange ta balle dans le pied. Et hop, dans la tête mon pote. Vas-y, viens là toi. Hop, 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 hop. Vite, il se déplace. Oh Alex, on peut lancer des drones. Ouais, ouais, attends, attends. Voilà. Wow, ça pique un peu. Alors, tac, 2-1. Tac, 2-2. Hop. On va aller au drone. Ça va et toi? T'as reçu ton matos? J'ai pas commandé en fait. Ah, ils l'ont pété, merde. J'ai pas commandé en fait, Yves. C'était juste pour me faire une petite liste d'avant-garde. En fait. Que je vais sûrement acheter d'ici là. Je vais d'abord prendre ma voiture en fait. Et puis, tout dépend de ce qui me reste par rapport à ma voiture, bah j'achèterai le matos. Voilà, c'est surtout ça en fait. Waouh. Alors attends. Tac, mange ça toi. Hop là. Ensuite, je recharge et je prends mon drone. Alex, on peut lancer des drones. Mais ça va, calme-toi, Adjir. Dans le mille, Alex, allez. C'est bon, on peut y aller. Couvrez-moi. Oui, d'accord. Nord-ouest, attention. Encore des drones. Mais mes frères, je joue qu'au drone, c'est chiant. On est déjà sur des jambes, moi. Donc du coup, voilà, Yves. Mais sinon, je vais le prendre, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais meurs. Ah, attends, attends. Il a un gilet pas mal, lui. Il y en a que non, il y en a qu'en ont pas. Je sais, parce que des fois, je mets une seule balle pour les tuer dans le corps. Des fois, plusieurs. J'ai repéré merde. L'armurerie, le bâtiment rouge. Ok, je mets un petit drone. Oh. En fait, ce qui me fait surtout chier, en fait, c'est que si je commande mon tout maintenant, en fait, le truc, c'est que j'aimerais bien commander mon casque tout de suite, en fait. Le truc, c'est que si je commande le casque, faut pas t'amener le message, ainsi de suite, tu vois. Mais encore! Mais ça joue qu'au drone, c'est quoi cette carte de merde? C'est trop chiant, ça se joue qu'au drone. Attends, il est stun lui. Oh! J'ai loupé? Il est où? Je l'ai loupé aussi? Je l'ai loupé? J'ai tiré au-dessus de ta tête? Ah non, je suis dégoûté. Mais non, mais... Voilà. Tac. Tiens, mange ta balle, toi. Merde. Mange ta balle, toi aussi. Ah, il s'est baissé. Ok. C'est des potes! Non, c'est des potes!
Mais tais-toi, tes drones de mort, ils m'énervent. Attends, j'ai tué déjà un turban tout à l'heure. Ah. Ok, donc tous les turbans, c'est nos potes en fait. Bah, je sais pas, je pensais qu'il y avait des Russes qui étaient habillés en turban, tu vois. Je me suis dit, ça se trouve que. Oh, je recommence là encore, putain. Faut que j'arrête de mourir là. Ok, parfait. Arrêtez, je l'ai touché, arrêtez. Arrêtez. C'est trop chiant. Ah, quoique. Ah non, je dis ça, mais le DT-750, c'est un casque jack, donc en vrai, je pourrais le prendre avant. Celui-ci. Ils sont où là? Tiens, mange. Tiens, mange. Donc en vrai, je pourrais le prendre avant. Ah, je vais quand même prendre ma voiture avant pour être sûr du prix que je vais mettre dedans. Ça me coûtait, et ensuite tout ce qui me restera je mettrai au final dans le PC, hein. Enfin dans la config micro. L'armurerie est dans le bâtiment rouge. Quel bâtiment rouge? Ah oui, là-bas. Des gens dedans. Va à l'armurerie, Alex. Le bâtiment rouge. Viens-toi, Fouki. Première armurerie dégagée. Salut les potes. Bon travail. Rejoins-moi dehors. Alors, prenons ça déjà. Ça, il mène au tarmac. Regroupez-vous là. Ensuite, prenons des petites grenades. Voilà. Des petites munitions. Le sniper, je l'aime bien en vrai, réellement. Après, une Oden, c'est pas mal, hein. Non, je gardais mon car, j'aime bien le car. Allez. Hop. Parfait, une petite scar qui va bien là. Ça va piquer un petit peu dans l'air. Tu vas prendre laquelle? Lequel de casque? Je vais prendre un DT-770. Merde! On va passer par là pour rejoindre le tarmac. Je vais. Ok! C'est ce qu'on peut faire. Je vais foncer dedans. Bouge, Alex! Prends un Watcher, j'arrive au tarmac. Où est le soutien aérien? Ouais, du coup, en casque, je vais prendre un. Attends, je vais te pause parce qu'en fait, du coup, je suis l'histoire. Du coup, en casque, je vais prendre un DT-770 Pro en 250 ohms, je pense. Voire en 80, je crois que c'est 80 celui d'en dessous. Parce que j'aimerais bien pouvoir utiliser sur mon téléphone de temps en temps, tu vois, ou sur des trucs un petit peu moins forts. Mais je vais réfléchir, mais je pense qu'on a quand même un 250 ohms. Et ensuite en voiture, je vais voir, là j'ai mon beau-père qui est en train de chercher une voiture, qui a trouvé une bonne occasion à 800€ là, une 206, donc du coup je verrai bien. De toute façon j'ai dit, c'est simple, je te viens les thunes, et tu te débrouilles, tu trouves la voiture qu'il faut, tu vois, voilà. Il a plus le temps que moi pour chercher, donc du coup il va chercher, et puis il ira me la chercher, il me la ramènera, enfin bref, il fera tout, tu vois. Donc du coup voilà, tout simplement, parce que du coup je mets 700, 800, et eux ils mettent le reste, mes parents. Donc du coup je leur dis, bah cherchez, et prenez-la si vous pensez qu'elle est bien, tu vois, ils connaissent mieux que moi. Allez. C'est normal qu'il n'y a qu'un mec qui fait le bruit de 95. C'est normal qu'il y a un mec qui fait le bruit de 15. On est plus que 4, 5. Waouh. Alors attends mon pote. Déjà, utilisons ça. Ensuite, utilisons ça. Bon. Prends moins de 25. 50 ohms, c'est mieux. Ouais, 250 ohms, ouais voilà, ça c'est que ça marche bien pour une table de mixage, tout ça, mais si je prends en dessous. Enfin si je prends au-dessus, je pourrais pas prendre de téléphone dessus. Bon, bref, je me suis compris. J'ai appuyé sur G encore. Putain, c'est trop habituel d'appuyer sur G. Écho détruit. Voilà. Ils l'ont pété avant qu'il atterrisse l'hélicoptère. Enfin, le drone. Je t'ai pas des esquives. Je vais réapparaître les ennemis, voilà.
C'est bon, vous apparaissez tous. Ok, voilà. Voilà mon pote. Mais apprenez à tirer par contre les boys en bas. Aïe. Il est où? Mais je vois pas où il est moi. Il est mort. Là il est mort. Oui pour les téléphones c'est trop, c'est ça. En fait pour tout en fait, pour presque tout. Si c'est pas une étape de mixage qui a son alimentation dédiée en fait, c'est presque trop pour tout quoi. Même un PC je pense c'est pas assez parce que le jack est alimenté par la carte mère donc et que la carte mère et que la carte mère doit pas alimenter autant que ce que ça doit alimenter je pense. Oh non, le booster! Oh ah merde, il était là, j'ai pas vu! Oh merde, j'ai pas vu! J'ai pas vu! Salut poteau! J'attaque notre cachette! Pardon mon frère, je peux plus envoyer de drones! Alex, mes drones sont morts, on a besoin de soutien! Si tu veux vraiment nous aider, c'est le bon moment! L'hélico est en route. En attendant, on doit se débrouiller. Où est la dernière armurerie? Aïe. De l'autre côté. Si on le prend, la base est à nous. Bien su. Il est où le mec? Poursuivez l'attaque, cousin. Tiens, mange. Il est où l'autre? Ah t'es tiré pour rien. Ah il est là. Ok. Oh, il m'a one shot. Oui c'est ça, il faut un amplificateur. Dans la carte mère il n'y en a pas. Mais quoi? Gros, tant que pas deux balles non plus quoi. Oh, attendez, il y a un truc en dessous. Boum. Boum. Mais non mais... Bon j'arrête, je m'en focus. Non mais vous savez quoi? Vous savez quoi le live? Je vais arrêter là je pense, pas le live pardon, YouTube. On va s'arrêter là, je pense que ça va faire peut-être bien une bonne heure qu'on joue là déjà. Donc voilà, c'était la première partie de la campagne de Call of Duty Modern Warfare en version réaliste, enfin en difficulté réalisme pardon. On est à la guerre de... procuration, pardon, excusez-moi, par procuration, et puis c'est la sécurité de l'arsenal, quoi, faut sécuriser l'arsenal, quoi. Donc voilà. Ciao tout le monde, c'était Negor, surtout portez-vous bien, il y aura la suite, hein. Là je vais faire un vrai let's play sur cette campagne, parce qu'elle est vraiment, vraiment cool. Voilà, ciao, bisous, petit pouce bleu, abonnement, tout ça, ciao.